Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a une personne en réalité, vous voyez, qui... C'est une personne qui a une bonne nouvelle. On a une personne qui a une bonne nouvelle à t'annoncer. On a le hasard. Attends, attends, attends. Il se passe un truc. On va regarder ça. On a le courage. On a la colère. Et on a ici les festivités. On a une personne, vous voyez, qui est un peu sous pression en ce moment. C'est la personne, en réalité, qui peut être traversée par tout plein d'émotions. C'est la personne, en réalité, vous voyez, qui... Ouais, il faut que je te dise les choses, il faut que je te partage la nouvelle. Mais il y a une personne qui a une super bonne nouvelle à t'annoncer. On a une personne, en réalité, qui est un peu déstabilisée. C'est la personne, tu vois, qui... peut être dans un état pas très favorable en ce moment, puisqu'elle ne trouve pas dans l'instant, tu sais, comme le courage de dire les choses. Et on nous dit en réalité que c'est quelque chose qui va te surprendre. C'est la personne qui sait en réalité que quand je vais te sortir des choses seulement, ah, toi-même tu pourras pas, j'ai envie de dire, comme tenir en place. Toi-même tu risques de sauter, j'ai envie de dire, comme de joie. Tu risques, j'ai envie de dire, comme d'être dans un état, c'est un truc de ouf. Hein? Non, je te dis ça. On a l'amitié, on a le bilan, on a le retour, on a des discussions et on a le bonheur. On est une personne en réalité, vous voyez, qui a échangé, qui a partagé, vous voyez, comme une envie avec vous. C'est la personne en réalité, vous voyez, qui t'inquiète pas, hein? Une fois que je serai un peu sur mes appuis, on va parler, on va chanter, on va danser, on va sortir. On a une personne en réalité qui attendait quelque chose pour venir vers toi. Donc ça peut être une séparation, ça peut être le fait, tu vois, d'être un peu plus sur ses appuis, ça peut être le fait, tu vois, comme d'être dans un état beaucoup plus positif. Mais il lui arrive un truc de fou à cette personne en ce moment et ouais, elle va venir te le partager. Attends, regardez ça, on a le bonheur, on a le travail, on a la rencontre. On a le retard, on a l'observation et on a l'épanouissement. On a une personne en réalité, tu vois, qui a changé un aspect de sa vie. Pour certains ici, c'est une personne qui va venir vous annoncer, ça y est, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé quelque chose qui pourra m'apporter la stabilité. Et du coup, cette stabilité-là, ben, va vous permettre en réalité d'avancer tous les deux beaucoup plus sereinement sur votre chemin, puisque... C'est une personne qui pouvait être bloquée à l'idée de fonctionner avec toi, bloquée à l'idée, tu vois, comme d'avancer avec toi, puisque les choses n'étaient pas encore officielles. D'accord? Pour d'autres ici, on nous montre une personne, vous voyez, qui a pris le temps de réfléchir. Une personne qui a pris le temps, en réalité, vous voyez, comme de vous observer. C'est la personne qui a pris le temps de faire une introspection. Et c'est la personne, en réalité, tu vois, qui aujourd'hui est tout feu, tout flamme, donc qui a envie de te partager le fait que, tu sais quoi, moi-même, j'ai réfléchi. Tu sais quoi, moi-même, je me suis beaucoup empêchée de faire les choses, beaucoup empêchée, tu sais, comme de fonctionner avec toi, mais vu qu'il se passe des trucs de ouf avec moi, ou en tout cas dans ma vie en ce moment, j'ai envie de le partager avec toi pour que tu puisses le fêter avec moi. On est une personne qui va vous faire une invitation, hein. On a une personne en réalité qui veut fêter quelque chose et c'est la personne qui veut que tu sois à ses côtés, j'ai envie de dire, pour cette fête-là, pour cet événement-là, pour l'officialisation, tu vois, comme de cette situation et... Ici, pour certains, c'est une personne que vous risquez, vous voyez, comme de ne pas forcément reconnaître. Ça veut dire que cette personne-là, c'est quelqu'un que tu connais déjà, c'est une personne que tu as l'habitude de fréquenter, mais c'est vrai que c'est une personne qui pouvait ne pas forcément être dans son assiette depuis quelque temps. C'est une personne qui n'a cessé, vous voyez, comme de ralentir, hein, l'officialisation de votre relation, qui n'a cessé, vous voyez, comme de ralentir certains projets, mais on a quelqu'un, vous voyez, qui est totalement en train de lâcher prise en ce moment, et c'est la personne, tu vois, qui est en train de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait? Tu vois, j'avais pas forcément besoin, hein, tu sais, que les choses se retournent en positif pour moi, pour que je puisse avancer, mais je m'en rends compte, tu vois, seulement après coup.
Mais j'ai vraiment cette sensation, tu vois, que cette bonne nouvelle que l'autre va te partager, c'est aussi hein, pour justement faire un pas en avant dans ta direction. C'est tout simplement en réalité pour te montrer qu'il ou elle te porte de l'intérêt et qu'il ou elle ben, n'a pas forcément envie, tu vois, qu'il y ait une séparation. On a vraiment une personne en réalité qui faisait quelque chose dans l'ombre. Donc ça veut dire en réalité que tu ne le savais même pas hein, dans certaines situations. Mais on a quelqu'un, tu vois, qui se sent apte en réalité comme à avancer de manière fluide. Une personne, j'ai envie de dire, qui est dans un état d'esprit hyper favorable. Et je crois que c'est ce qui lui manquait à sa vie, tu vois, un peu de stabilité, un peu de bonnes nouvelles, un peu de bonheur, tu sais, pour qu'il puisse enfin se lâcher et puisse dire, ben viens, on y va. Tiens, on va boire un verre. Donc on a quelqu'un pour moi qui trouve une excuse, hein, on va dire les choses comme elles sont. C'est la personne qui trouve une excuse en réalité. Bon, c'est une bonne excuse parce que c'est une vraie excuse, tu vois. C'est, je veux que tu fasses ça avec moi. Je veux qu'on avance tous les deux. Vu que j'ai trouvé un logement ou quelque chose comme ça, ben je veux en réalité que tu viens, tu vas décorer, tu vois, comme la maison pour moi. Donc, on a une personne en réalité, tu sais, qui se sent prêt ou se sent prête, hein, tout simplement à construire une relation stable. C'est la personne qui n'avait pas le courage, la personne ne se sentait pas utile, la personne ne se sentait pas, j'ai envie de dire, suffisamment sur ses appuis pour se dire, voilà. Moi, ouais, j'ai pas de travail, je peux pas avancer. J'ai pas un salaire intéressant, je pourrais rien t'apporter. Je suis pas forcément dans mon assiette ou je suis encore bloquée, tu vois, par certaines situations. Donc, je pouvais pas forcément être moi-même. Mais aujourd'hui, que cette personne-là, elle est libérée, j'ai envie de te dire, elle va passer son temps à te surprendre. On va regarder comment ça va avancer entre vous. On a la communication. Alors déjà, on nous montre en réalité, tu vois, que tu vas réceptionner une espèce de communication. Tu sais, c'est le truc qui déstabilise. C'est le truc en réalité que tu risques de ne pas forcément comprendre, puisque jusqu'à maintenant, bon, la personne, elle s'est toujours montrée instable. Elle a toujours été, tu vois, comme sur une fréquence, j'ai envie de dire, un peu farfelue avec toi. Mais, tu sais, toi-même, au début, tu risques d'en douter. Tu risques de te dire, attends, 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 qu'est-ce qui se passe? On a la famille, on a la joie. On a les projections et on a l'enfermement. Puisque pour certains, en réalité, vous avez arrêté de croire en cette situation. Vous avez arrêté de vous dire, en réalité, que c'était quelque chose de possible, que c'était une relation, tu vois, qui pouvait, j'ai envie de dire, que vous pouviez officialiser. Et c'est vrai que là, ben, tout change quand l'autre décide, tu vois, comme de se positionner clairement en ta direction. Quand l'autre, j'ai envie de te dire, ben, viens à la communication, t'annonce en réalité que c'est bon, mon divorce, il est acté, c'est bon, j'ai trouvé un travail, c'est bon, en réalité, ben, j'ai trouvé un logement et que maintenant on pourra fonctionner. C'est une nouvelle comme ça qu'on vous apporte, hein, je préfère vous le dire, ouais. Donc on parle réellement, vous voyez, comme d'une situation pour certains, on voit que vous allez rentrer, vous voyez, comme dans une espèce d'introspection, puisque vous vous étiez déjà mis ou mise d'accord, vous voyez, pour tourner le dos à tout ça, pour partir, vous voyez, vers de la nouveauté. Et là, voir que la chance, ou en tout cas que l'opportunité se représente, ben, écoute, ben, ça fait tout drôle, tu vois. C'est un peu ça. On a l'abondance, on a la nouveauté, on a le blocage et on a le compromis. Donc ici, pour certains, on nous montre, vous voyez, que c'est une annonce, un retour, une bonne nouvelle, une excuse d'invitation, vous voyez, qui va. Non, ça va te plonger dans une introspection. Toi-même, tu auras besoin de savoir, en réalité, est-ce que c'est quelque chose de réellement possible ou si au final, ben, tu vois, on te fait miroiter des choses pour après, ben, j'ai envie de dire, voir l'autre s'estomper ou retomber, tu vois, peut-être dans ses vieux travers, être froide, en fait, c'est. Là, tu auras la chance, tu vois, comme de faire un compromis avec une personne si c'est ce que tu voulais. On a la maison, on a la distance, on a le rêve, on a la culpabilité, on a l'ouverture, on a la communication et on a la rencontre. Donc, ton histoire prend une autre tournure avec une personne. La personne s'est libérée en réalité de ses chaînes, hein, de ses vieux travers, peut-être d'une ancienne relation. C'est quelqu'un pour moi qui. T'es la seule personne avec qui j'ai envie de partager ça, en fait. T'es la seule personne avec qui j'ai envie de vivre quelque chose, tu vois, de bien bien. J'ai pas envie, tu vois, d'en parler à mes proches. Son réflexe à cette personne, c'est de se tourner vers toi.
Son réflexe à cette personne, en réalité, c'est de venir te partager les choses, puisque c'est la personne qui sait en réalité que quand j'étais pas forcément dans mon assiette, tu ne l'étais pas non plus. Et je sais que quand je suis, tu vois, dans des énergies positives, ben tu l'es aussi, puisque tu as toujours voulu, tu vois, comme peut-être voir l'autre avancer, voir l'autre évoluer. Alors, en voyant ce retournement, tu vois, comme de situation, et quand tu entendras en réalité, tu vois ce que la personne en face de toi a à dire, ça va te faire tout drôle, hein? Je te le dis, hein? On parle réellement, vous voyez, comme d'une situation où, t'inquiète pas, hein? Tu as le temps de choisir, tu as le temps de décider, tu as le temps de voir en réalité, tu vois, si c'est en accord avec toi. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que cette personne qui va avancer en ta direction pour t'annoncer, j'ai envie de dire, comme cette bonne nouvelle qu'elle a reçue. Si elle le fait, c'est pas anodin. C'est parce qu'elle a envie, en réalité, que maintenant notre histoire, elle commence. Tu vois, elle est tout, j'ai tous les éléments, tu vois, j'ai tous les ingrédients pour qu'on puisse faire une relation épanouie dont nous-mêmes on avance seulement. Tu sais, c'est. Tu verras ce que tu en feras. Hein? En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.